Bonjour à toutes et à tous, c'est BX Akid. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de The Bullet Swarf en compagnie d'Askeliopos. Askeliopos, bonjour. Bonjour. Bon, j'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Oula, bah, ça va nickel, attends. Donc, au dernier épisode, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pas mal farmé, hein, en quelque sorte. On avait aussi obtenu nos familiers en fin d'épisode. Et ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire en fait un torse en molten. Malheureusement, j'aurais pas assez pour en faire un à mon copain. Mais C'est parce que tu m'aimes pas. ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un biome neige parce qu'on nous a pas mal conseillé d'aller bah, justement en chercher un. Et donc, de ce fait, bah, on va faire ça. Ouais, non, ouais, ça me semble une bonne idée. Je me souviens plus du pseudo de la personne qui nous a dit d'aller. Enfin, il y a plusieurs personnes en fait qui nous ont dit d'aller dans un biome neige pour récupérer justement cette neige pour améliorer nos armures, non, c'est ça? C'est ça, On ça doit me aller semble. dans une autre dimension qui nous permettra apparemment d'améliorer nos armures. Voilà. Waouh, la classe! Oups, excusez-moi, j'ai appuyé sur le Allô? mauvais bouton, je voulais faire F5, j'ai fait F6, ça a coupé Fraps. C'est magnifique. Monsieur Ah, BX excuse-moi, j'appuyais pas sur le bouton. Akid. Parce que, en fait, je vous explique, on tourne sur Mumble et parce que si j'appuie pas sur le bouton, Aske entend pas ce que je vous dis. Et donc, je disais à Aske Oui, que c'est j'appuyais ça. sur F6 à la place d'appuyer sur F5. Et ça a coupé Ah, ok. Fraps. Du coup, j'ai fait une mini coupure. Ah, ok. Donc, on va chercher un biome neige et forcément, on est dans un biome jungle. Ça, c'est top. Sinon, c'est pas rigolo. T'as pris de la nourriture? Ah, j'ai toujours mes 56 cookies, gars. Ok. Oula, Ça, je niveau vais te suivre. bouffe, y a pas de soucis. N'empêche, les squelettes sont trop drôles, quoi. Pire que ça. J'adore ça. Ouais. Bah sinon Ils font moins les malins, n'empêche, les ouais, squelettes, c'est je trop trouve. ça, tu sais, les espèces de méchants là, ils sont là en mode non, ne tuez pas. Est-ce que t'as pris une pelle? Oui. Oh le BG. Oh le Oh Oh. mon dieu, ce fou. Oh Non, mais cette j'avais tout à fait. préparation, cette préparation. Écoute. Attendez, j'ai lancé mon timer, il a pris une pelle et tout, non mais on va Amazing. oh, tout à l'heure on va tomber sur un Strongholds sans faire exprès et tout, tu sais. Ouais, au plein milieu de la map. Ouais, faudrait d'ailleurs qu'on en trouve un, ça, parce que un Stronghold ça va être essentiel pour aller dans le lane d'après. Bah, faudra qu'on aille buter des Endermen alors. Ouais, c'est trop ça en fait, il va falloir farmer l'Enderman pour le Bon, en trouver même temps quoi. avec les épées qu'on a, Ouais, ça devrait ça le ira faire vite. quoi. Mais je pense quand même que le farm d'Enderman limite on va vous le couper, je pense. On vous en montrera quelques fois si c'est quelque chose de marrant, mais je pense pas qu'on va vous le laisser vu comment c'est chiant, autant pour vous Les que epic pour nous. fails. Ouais, voilà, on vous laissera les fails au pire, mais parce qu'il y en Ah aura bah en parlant forcément. d'Armen, il y en a un là-bas. Où ça? Juste au-dessus de moi, il va se taper à moi. Je te vois même pas. Mais je suis pas près de toi. Ah ouais, si, d'accord. Vous voyez un Non, parce que magnifique je me suis bug dit... de Chunk? Ah j'en ai un, de junk... Ah ouais, moi aussi, je le vois, je le vois, je le vois. Ah, pour moi premier. Non, parce que moi j'étais sur la minimap d'abord! Non, ah j'ai une tour aussi tout près de moi. Le mec en mode, si on va se battre pour savoir qui c'est qui a trouvé le biome neige Ouais. en premier. C'est De toute façon, c'est moi! moi qui l'appelle, donc... Par contre, il faut Ouais, combien c'est pas vrai. de neige? Il faut 10 blocs pour faire un bloc, il faut 4 boules. En gros, 40, quoi. C'est ça Bah. que t'essayes de me dire. Ouais, voilà, en gros. Si tu sais Il compter. voleur de neige. C'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est mon PC qui bouge tout seul. En tout cas, je voulais dire à tes abonnés. Oula, oulala, attendez, Askeliopos se fait passer un message. Oh mon dieu! Non, 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 que vos commentaires nous font très plaisir. Donc moi je les lis même si j'y réponds pas forcément à chaque fois. Donc je les lis et vous nous donnez des très bons conseils. Donc continuez comme ça, on essaie d'écouter ce que vous dites, même si on est des très mauvais élèves. Toi seulement qui Je es un pense mauvais que j'en ai élève. aussi. T'en as combien toi? Bah fais les blocs, moi j'en ai 11. J'ai déjà 8, bah j'ai 10 blocs. Ouais, moi j'en ai 2. Faut pas qu'on J'ai oublie même qu'il faut 12 faire blocs. les. Il faut pas oublier. Pardon, parce que j'ai encore pas appuyé, c'est magnifique. Il faut pas oublier qu'on doit faire la boboussole. Et la boussole, comment on fait La ça? bouboussole, il faut faire une bouboussole, et la bouboussole, on l'a fait avec plein de bouboussoles. Non, il faut des cloques. Et des cloques, comment on en fait? 4 Désolé, hein, ça d'or fait longtemps et que je peux jouer à Minecraft normal. Bah on a plein d'or à la redstone. maison. Ouais, on a plein d'or et on a un peu de redstone, donc on va pouvoir en faire. Il en faut 9, donc 4 x Let's 9. do it.
faut 36, 36 de... Bah 36 d'or. C'est un petit peu buggé leur système de nage. Hein. Oui, c'est pour ça que moi j'utilise plus Smart Moving. Je suis level 4, aïe, 2K9 de PO, aïe, représente. Non, moi je suis à 1800. T'as combien de cœurs par contre? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en plus. 7 en plus? Ouais, 7 en plus. Et j'en ai 5 en plus. Faible. Mais Bou, na. En fait, je trouvais pas de truc à te reprocher. Donc, ouais, donc voilà. De toute façon, je suis parfait, on peut rien me reprocher. Ouais. Ça, enfin, c'est ce presque. Qu'on dit, hein. Presque. On en reparlera quand on va rattraper dans 3 jours au niveau abonné. Attends, 3 jours. Il est con. Non, franchement, félicitations. C'est tu me dépasseras, bah, je me suiciderai. Non, te suicide pas. Parce qu'après, il y aura plus. De... Ensemble. Voilà, et puis après, il y aura plus de challenge. Le type qui est pas intéressé, tu vois. Non, ouais, mais sinon, je pourrais plus tourner ma série qui amène tellement d'abonnés. Ouais, je sais pas laquelle en apporte le plus. Enfin, je sais pas, faudrait que je fasse un sondage. Pourquoi êtes-vous venu ou quelle série regardez-vous, tu sais. Ouais, par contre. Oui. Pas mal de vues sur les premiers épisodes. Je sais que le premier avait pas mal fonctionné. Après, j'ai pas regardé. Ouais. J'ai juste regardé les commentaires. C'est quel bouton pour activer Smart Moving déjà? J'ai mis G. Non. Non, mais pour faire activer ou désactiver. Là, voilà. Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Toujours. On a l'air beau avec nos cookies et nos. C'est trop ça. L'armure enchantée. Aïe. Mangeage de cookies. On devait faire quoi déjà? Ah oui, tu t'occupes de faire le portail et moi pendant ce temps-là je m'occupe de faire les. Un portail normal, les clocks. C'est ça? Ouais. Le même portail que le laser. Ok, avant que je me trompe. J'ai suis en bas, hop, faire ça. Hop, donc vous fusionnez 9, 9 montres. Tadam, Twilight Clock. Oh la classe. Yes, yes, la classe. Yes, yes. Et là, je vais imiter Grey Fox, yes, Patrick, yes. Et là, on va où en fait? Dans ton cul. On va dans le monde neige. Et toi, est-ce que tu en sais un petit peu plus? Parce que moi, j'ai juste vu les commentaires, mais je. Alors, je vais t'expliquer. Alors, dans le monde neige, en gros, on va avoir de nouveaux PNJ. Enfin, en fait, je vais rien dire. Je vais laisser découvrir à nos chers abonnés. Ok. Donc, la Twilight Clock, un clic droit et. Tadam! 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 Il est vraiment moche comme portail. Ouais. Ça, il est moche. En train de dire waouh pour faire semblant, tu vois. Ouais, c'est trop ça. Ah, puis c'est le portail qui marche une fois sur 8. Voilà. Downloading terrain. Ah, il fonctionne pas. Il passe. Bonjour. Oui. Il passe chez toi ? Mais il est en train de download le terrain. Il fonctionne pas chez moi, je peux même pas passer. Oui, non, mais c'est parce que je suis en train de download le terrain, je pense. Il attend. Serveur qui va laguer un bon coup. Ah. J'ai bugué. Petite coupure le temps qu'on répare tout ça. Eh bien, re les amis, et donc nous sommes dans un trou. Voilà. Un magnifique trou. Et j'ai pensé à remettre le GUI en large. J'espère que maintenant vous voyez mieux, je viens d'y penser. Donc, à ce qu'est, nous sommes dans ce trou. Ah, il y a des dégâts vers le bas, apparemment c'est vers le bas. Ah. Et je crois que je t'ai mis un coup de pioche au passage. Ouais, je pense que j'ai pris un gros coup de pioche. Pas mal, donc je vais pas récupérer une seule pierre. C'est de la cobble normale en fait qu'on récupère? Non, je crois pas. Attends. Ah si. Si, on a récupéré la cobble. Ça a juste normale. Pas la même texture le bloc de stone d'origine. Et pourquoi on va pas vers le haut en fait? Bah je sais pas, il y a des dégâts vers le bas. Mais bah essaye vers le haut toi au pire. Essaye vers le haut, j'essaye vers le bas. C'est une grande découverte avec vous. Ouais, I don't know where I am going. Je l'ai fait en anglais parce que c'est la classe. En bas, c'est une grotte, forcément. Yes, I do. Hop. What do you do? Bah, je suis en train de casser vers le haut. Mon navire bien profond, quand même. Did it done?
Le portail vraiment merdique quoi. C'est trop ça, putain. Dans la catégorie, vous avez une chance de pleu pleu. Voilà, Mais de ce que non, j'ai c'est toi qui compris, en éclaire. fait, ce monde reproduit l'endroit où vous avez creusé. Enfin, où vous avez posé le portail. Oh merde, Et vu que évidemment, nous, on on l'a est toujours creusé dans dans là. une cale creusée, je crois que c'est ça en fait. Donc, on va devoir se taper exactement la même longueur en fait. Et je suis sûr que si Ah on est bon, on y dehors, est ce sera le presque. même environnement. Parce que de ce que j'ai compris, ça refait en fait Ah bon, on y est. le même endroit. Donc regarde, on va se retrouver avec un grand truc avec de l'eau, tu sais. Salut les Grey Fox, bonjour Grey Fox, nous meufs! sommes actuellement en train de tourner The Void Dwarf. Bonjour Grey Fox. Oh merde! C'est vrai! Oui, Bienvenue! bienvenue donc mes abonnés Grey Fox que vous connaissez, qui n'est pas censé être là, mais qui est là, bonjour. Bonjour Désolé. Greyfox! Salut, salut tout le monde, salut Yasuke. Il n'y a pas de Ah, souci. pas grave, on t'en veut. Bah du coup tu Ah peux bon, on a rester bien squatté attaqué. si tu veux. Ouais, du coup, alors Ah qui est bah. Greyfox? Grey Fox, c'est un membre Présente-toi. de. C'est un membre et c'est le. En quelque sorte gérant de la chaîne Very Bad Cubes, sur laquelle on joue le plus souvent. Enfin, C'est personnellement, ça. moi je joue. Ah, c'est. Grey Moi Fox, je joue alias le depuis un autre squatter, account. un mot à dire? Ben, je suis un peu surpris parce qu'en fait, moi je venais tourner, enfin je venais sur Mumu pour qu'on tourne nos épisodes. Ouais, à 14h30. Ah, c'est 30, c'est pas Oui, c'est. 13h, Non, j'ai cru que c'est c'était 30. 13h. C'est 30, c'est 30. D'accord, et ben vous avez changé les horaires sans me prévenir. Moi je t'en veux pas. Et donc, Aske, on est arrivé dans une des maisons. Et regarde là, par exemple, bon, bah il est buggé, mais il y a un vendeur. Donc, je vais essayer de les décoincer parce qu'ils sont un tout petit peu coincés dans le mur. Ils vont mourir étouffés, les pauvres garçons. Mais Déjà toi, qu'ils sont Greyfox, moches. est-ce que tu connais Void Wrath? Mais j'ai regardé le premier épisode. C'était un peu. Enfin, il y avait vraiment pas mal de trucs. Il y a. Bon, Pas je vous mal de avoue. trucs. Ouais, je vous avoue que j'ai vraiment peu le temps de regarder le reste des épisodes parce que je suis pas mal occupé en ce moment, mais. Bouh! Oh merde, il est mort. Non, je rigole. Non, Donc, ouais, c'est ce qu'on peut voir là, énorme. il y a des commerçants. Et donc, ces commerçants vont donc nous permettre, avec des snowflakes et un stuff de base, de nous le transformer en un stuff amélioré. Donc, par exemple, on voit que cette épée, la massivance, passe à la frostivance, etc., etc. On passe en fait à des choses qui font beaucoup plus mal. Pour certaines, du moins, là par exemple, la slime, voilà. On augmente aussi le nombre d'utilisations pour certaines et surtout les dégâts. Donc, l'intérêt de cette. Le gros intérêt en fait de cette zone, Non, ce sera sûrement l'upgrade de nos stuff en fait. non. Ouais, apparemment. Non, pas mal. Donc il faut mettre Voilà. ça avec des Des flocons. shurikens, c'est ça? Ah, des flocons. Oui, non, enfin, oui, il y a des flocons à avoir et des. Mon Dieu, les monstres dehors! Bonne journée! Ah En fait, il y putain, a soleil plein de te petites zoom. baraques comme ça où on est vraiment tombé par hasard. Ah Non, non, il y en a non, encore non, une, non, je alors. rentre pas Oui, ça. sauf qu'attends, il y a des monstres dehors aussi. Attends, je prends une épée. Hop. T'inquiète pas, si tu zoomes d'un coup, c'est parce que ces monstres en fait te zooment. C'est un peu chelou. Voilà. Il y a Ça va, des mais on spawns dirait que tu dégâts. prends cher là. Waouh, ça explose ici. Ouais, ça Et donc, du explose de coup, là, vous partout. faites une aventure suivie normale ou vous avez des objectifs Absolument pas d'objectif pour l'instant, si ce n'est découvrir le détruire le monde. monde! D'accord. En gros. Bel objectif. Non, Ouais, c'est pas non, mal. mais découvrir parce qu'on connaît rien. Voilà, en Ouais, et c'est gros, on vraiment connaît un rien. mode qui Oh! Bonne journée. complexifie le jeu. Moi, je vais crever aussi. Parce que du peu que j'ai vu au Moi, premier je épisode, zoome. apparemment il y a des châteaux volants, ce genre de truc, donc ça a l'air un Ouais, peu. Ouais, non c'est ça. mais ouais, c'est un monde en fait vachement RPG. D'accord. Waouh, Avant il y j'ai avait vraiment permis millénaire, mais ça c'était avant. le type dans sa maison parce que sinon il sortait et il y avait des gens pour le tuer, des gens pas gentils. Et en fait, ça rajoute aussi, Greyfox, ça rajoute 7 dimensions. 8? 8. 8 dimensions? 8, il me Ouais, semble. ça rajoute 8 dimensions. Ah, c'est Noël. Ouais, Donc franchement c'est bien. pas mal. Et d'après ce que j'ai compris, d'après les commentaires, c'est que chaque dimension ajoute un petit truc, quoi. C'est ça. Il y a notamment la Twilight Forest, c'est celle que moi je Ouais, connaissais. c'est la Twilight Forest. Bah, c'est celle que j'utilise dans mes modes magiques. Eh bah tiens, quand on a l'un, on a l'autre. Bonjour Garnick, nous sommes actuellement en train de tourner The Void Dwarf. On peut pas tourner tranquille ici, c'est pas possible. Bonjour tout le monde. Voilà, donc nous avons la Very Bad Cubes au grand complet. Bon, Garnick, je vous le Le présente parking. plus. Garnick, on n'avait pas dit que c'était à 2h30 là, juste c'est tout le temps à 2h. Bah normalement c'est 2h, mais on est toujours en retard.
Ah oui, mais. Et voilà. Mais normalement, c'est 2 heures quoi. Voilà. Ah, mais du coup, moi je suis arrivé à 2 heures, je vois deux personnes, je me dis, bon bah, c'est Garnier qui est. Et BX, et non, non. Et non. Donc, ce que ces mobs loot, ça loot des Frozen Shards qui nous permettront de faire les Ice Stone qui, elles aussi, nous permettront en fait de faire le stuff. Bah, comme la majorité des mondes en autre. Bah, je me fais tu poutrer. Parles des relooms de tous les monstres en général de cette zone là qui ont l'air assez agressifs. Ah ouais, non, mais là je suis resté AFK pour montrer ce que ça faisait. Bah attendez, je vais vous le montrer au calme ici. Donc, Frozen Shard Ice Stone. Oh, j'ai raté. Ice Stone, donc ça fait wow. Le stuff angélique. Ainsi qu'une Frost Pumpkin, ça j'ai toujours pas compris ce que ça servait. On peut faire un canon aussi, ça c'est sympa. Et toujours l'épée du monde respectif qui ont chacune leur capacité spéciale. Cold Stone. Voilà. Une sorte de pierre aussi. De quoi ? Bah, la Cold Stone. Donc, la pierre charbon apparemment. Où t'as vu ça toi ? Bah, j'ai ça dans mon inventaire, tiens. Hein ? Je sais pas. Ah ouais, c'est le, oui, c'est la pierre qu'on a vue sur le bord de la maison là. C'est un gaz qui a dû tout faire péter. De toute façon, plus t'essayes de comprendre avec ce mode pack, moins tu comprends. Donc, faut mieux laisser tomber. Donc, on arrive à 17 minutes. Je pense que la petite présentation de ce monde-là, même si elle fut brève, putain, déjà 17 minutes. Ouais, ça passe vite. Ah, je pensais que ça faisait 2 minutes. Ouais. Enfin, il y a peut-être les ellipses que j'ai pas coupées. Bah, c'est pas grave. Ouais. Dans tous les cas, bah, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Au revoir de tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci d'être passé, les amis. Hein. Ouais, ouais, merci d'être passé, ouais. Bon, sur ce, on se retrouve au prochain épisode. A plus tout le monde et hope you like it.